on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo silhouette. Et oui, comme vous voyez, on est directement dessus. On va venir ouvrir donc un petit fichier, donc spécial Noël. Alors ouais, juste tout recroisé, vous voyez, il fait froid, on est en hiver, je suis gelée aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va faire la boîte. Hop là, ça, ce n'est pas grave. Une petite boîte pour mettre le courrier du Père Noël, bien sûr. Et moi, si je veux... Arrête, c'est pas ça qu'il fallait que tu fasses. Moi, si je veux que le Père Noël me porte des cadeaux, eh bien, je vais faire une boîte au Père Noël, quand même. Non. Alors, je vais changer au lieu de papier A4, je vais mettre du papier 30-30. Voilà. Comme vous pouvez voir, tout est déjà raccordé. Donc, on dégroupe. Hop là. Je pousse tout ici. Et ce que je vais faire, c'est que, une par une, hop là, je vais venir voir pour, eh bien, tout simplement, faire mes fichiers silhouettes. Alors, hop, je joue au Tetris, hein. Alors, l'une d'entre vous m'a dit que normalement, silhouette le faisait directement. Alors, je vais mettre dans l'autre sens. Je ne sais pas du tout comment faire. Elle m'a dit, mais j'ai pas réussi à trouver. Donc, bon. Comme de par hasard, je vais juste... Hop là. Ah ! Ici... Hop, bien le mettre là, je vais juste remonter un petit peu ici et ici, voilà, donc là je vais mettre comme ça et je ne pense pas, quoique eux, je vais peut-être pouvoir les mettre, hop, ici. Voilà. Impeccable. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille de couleur rubis, je pense, et je vais venir mettre tout ça à se découper sur la silhouette. Et je vais continuer donc du coup à le faire aussi avec les autres et après avec le vert. Vous voyez, c'est très simple, hein, je vais pas vous remontrer à chaque détail comment je vais faire, mais voilà. Donc moi je découpe et je vous reprends une fois que tout est découpé sur l'espace de travail. Bon, du coup, nous revoici, nous revoilà avec une fois tout découpé. Donc ça a été beaucoup plus vite que la création, la dernière que je vous ai faite. Celle-ci, je n'ai toujours pas fini de la décorer puisque je l'ai faite juste avant. Celle-là, je vais la finir juste après. Je vous remettrai dans le petit i la déco que l'on a faite ensemble. Pareil, un fichier silhouette, celui-ci. Est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Je vous ai pas filmé la silhouette en train de découper, hein. Maintenant vous le savez, vous avez l'habitude. Du coup, hop là, on va monter le plus gros de notre boîte, hein, parce que bah voilà, elle va pas être énorme, énorme, mais voilà. Après, je pense qu'il doit pas y avoir peut-être un petit moyen, je dis bien petit moyen. Augmenter un petit peu la taille. Moi j'ai pas voulu. Après vous pouvez très bien augmenter et réduire les tailles des créations silhouettes. Pour ça, très important, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien agrandir l'ensemble du fichier et non un par un. Vous regroupez le tout, ce qui est pratique justement quand c'est groupé, et vous agrandissez le tout ou vous réduisez le tout pareil en même temps. D'accord. Donc j'ai vraiment tout découpé. Donc on a ici, ici, hop là. Donc juste là. Donc je marque bien tous mes plis. Et il y a aussi cela. Ça, c'est de la déco. On met de côté. Voilà. J'ai vraiment tout découpé. Bon, du coup, on va coller ça au double face. Et oui, ça va plus vite. Hein. C'est plus simple. Alors, on va commencer ici.
déjà, celles-là, elles vont aller comme ça, d'accord. Et on va mettre ici. Alors, on va d'abord coller. Je cherche un petit peu mon petit truc, hein. Mais on va faire ici et ici pour coller nos côtés. D'accord, on fait des deux côtés. Alors. Alors, je colle, je mets mon double face le plus proche de la pliure possible. Parce que c'est là qu'il faut que ça tienne vraiment le mieux. Hop. Je vais venir tout de suite mettre partout. Comme ça, ce sera fait. Hop. Ici. Ici. Pareil, sur mes deux côtés, je vais venir mettre là et sur l'autre. Comme ça, ce sera fait également. Voilà. Alors, ici, mon petit crochet, Marie, où est-ce que tu as mis ton petit crochet? Vous savez quoi? Il était rangé à sa place. Voilà. Comme quoi, faut pas que je range mes affaires par moment. Parce que je les cherche plus quand je les range que quand je les range pas. Alors, je le mets debout. Voilà. Pour être sûr. Ici, pareil. Debout. Voilà. Donc ça, ça va être le devant. D'accord? Ici, on a nos côtés. Donc, hop, là. Et alors, on ne se trompe pas, c'est le devant. On monte. D'accord? Hop là. Alors, je m'aide en le posant, comme ça, je suis sûre que je suis bien droite. Ou pas? Voilà. Hop. Pareil. Et ici. Hop. Là. Je vais retirer ici. Ici. Et je vais venir mettre celui-ci devant comme ça, d'accord? Hop là. Là. Hop. Alors. Excusez-moi, c'est parce que j'ai pris un peu d'avance. C'est Google Agenda qui me disait que dans 5 minutes, il faut que je tourne ma vidéo silhouette. Ah, Maric! Comme je vous l'ai dit, j'ai pris un peu d'avance. Alors, hop, j'essaye de bien la mettre. Hop là, ici. Voilà, donc comme ça. Ici, on a deux petits points. Alors, est-ce que... Non, je vais mettre de la colle, on va pas abuser, hein, Maric. Je vais juste sortir. Hop, je fais attention en bougeant parce que j'ai l'Olaf qui est, comme à son habitude, couché sur mon dossier de siège. Donc, hop, colle et de la colle. Je vais juste étaler. Et ici,
juste que je mette bien. Donc voilà, on essaie vraiment de les mettre bien correctement. Donc là, ici, ça va, c'est pour fermer comme ça. Il nous reste, hop, je vais prendre là, cette grande-là qui va aller derrière, ici. D'accord. Donc, je viens la coller. Alors, ce que je vais faire, c'est que, hop, je mets de la colle là. Et ici, d'accord. Ensuite, on va prendre nos papiers verts. Hop là, ici. Alors, on en a un premier qui va venir ici, d'accord. Hop là. Et on va prendre, alors si je ne dis pas de bêtises, hop là, un là et l'autre le petit, il est où? Il est là. Et un autre, hop, il est tombé dedans, mais vous voyez un petit peu ce que je voulais dire. Bon, hop, alors je vais déjà coller ici. Alors, vous faites comme vous voulez pour le coller. Hein. Moi, je vais faire comme ça. Hop. Et ici. Non, je dis des bêtises. Vous savez quoi? J'ai fait des bêtises. C'est pas ça qui va là. C'est ça qui va ici, en fait. Voilà, oui. Bon. Alors, encore une fois, je vous ai choisi un fichier où il n'y a pas de tuto. Eh ben oui. Parce que sinon, c'est pas marrant. Hein. Si je vous reprends un tuto, un fichier où il y a déjà un tuto. Là, il n'y a pas de tuto. Donc, en fait, je me fie à la photo qu'il y a dessus. Hop là. Je suis désolée, j'ai pas mis sur silencieux. Et voilà. Hop. Et du coup, ça va ici. Donc, je vais enlever mes petites là parce que ça va être bien. Et je viens le coller là. D'accord? Voilà. D'accord. Ensuite, ici, on va venir mettre celui-ci juste ici. Mais dessus. Alors, ça, ça va sur le côté. Ici, celui-ci. Ici. Donc, on va déjà les mettre comme ça. Ils seront mis et on va le savoir. Hein, hop. Je vais juste, voilà, là. Donc en fait, quand il n'y a pas de tuto comme ça, il faut faire la déduction. Vous faites ce qu'il y a de plus visible, ce que vous êtes sûr, comme ça après vous dites bon, il me reste ça, ça et ça et ça et ça, et vous continuez jusqu'à ce que plus de batterie, ça a coupé. Du coup, j'ai mis ici. Hop là. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc du coup, vous continuez jusqu'à ce que vous ayez tous les fichiers que vous, qu'il vous faut. De coller et après, vous devinez. Bah, je mets ça où. Après, vous pouvez très bien modifier vous-même des fichiers. Hein, mettre des trucs que vous avez en stock, que vous préférez plutôt que fichier, voilà, vous pouvez tout à fait le modifier. Hop. Et
ici. Donc, on va reprendre. Il y en a un qui va aller ici et l'autre de l'autre côté. Un ici. J'ai trouvé cette boîte aux lettres juste super mimi. Franchement, j'ai adoré. Il y avait d'autres sortes, hein. Il y a d'autres sortes, il y a des plus traditionnelles. Je verrai, peut-être que je vous en ferai une autre, un peu plus traditionnelle, un peu plus boîte aux lettres. Mais vraiment, celle-ci, je l'aimais vraiment beaucoup. Et elle changeait de tout ce qu'on voyait en temps normal. Hop là. J'ai ma colle qui a un peu de mal à prendre. Je vais sortir l'autre tout à l'heure, ça va être tout de suite fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux aimants pour être sûr que ça tienne bien fermé. Donc, hop, là, il va aller comme ça. Voilà, là. Et je vais en prendre un deuxième. Voilà. Donc, je vais enlever là, replacer le tout correctement. Et voilà, là comme ça, je suis sûre que ça restera bien fermé. Oh, mes minces de zut! Alors, c'est des aimants super fur. Hop. Je vais mettre du double face pour le tenir bien. Hop là. Ici. Par contre, je voulais savoir où j'avais mis ma colle. Mon autre colle. Je ne sais pas. Bref, bah alors Maric, tu as perdu ta colle? Je voulais mon autre colle, mais je sais pas où je l'ai mise. Bien, bien, bien. Je vais en prendre une autre. Ouais, il va falloir que je la retrouve parce que je crois qu'elle est pleine en plus. Je sais pas où je l'ai mise. Hop là. Bon. Je vais venir hop là, là et voilà, ici. Comme ça, on ferme. Ici, comme vous voyez, on en a deux. Donc, il y en a un qui va aller ici et un autre ici. Donc. C'est pour ça que j'ai mis l'aimant sur l'extérieur parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Donc, l'aimant n'aurait pas été caché. Là, ici, l'aimant, il est caché. Hop. Et ici. Voilà. Il nous reste ici, ici et
ici. Alors ici, je vais venir mettre là. Alors par contre, je vais le mettre en 3D parce que j'en ai envie. Alors, mousse 3D. Sont ici. Hop là. Je trouve que ça va faire plus joli en 3D. Hop là, là, là et là. Mince. Ici. Oui, alors on lésine pas sur la mousse 3D hein. Si on veut que ce soit bien en 3D. Là, là. Là. Ah, ici et une petite dernière. Ici, voilà. J'appuie bien pour que ça le prenne. Ma petite poubelle. Là, j'enlève toutes mes petites protections. Hop. Je viens le coller. Ici, alors vous avez deux trucs sur, sur Silhouette. Vous avez le... où c'est déjà écrit en anglais et celui où il n'y a rien d'écrit. Bon, personnellement j'ai pris celui où c'est écrit en anglais. Mais vous pouvez très bien écrire vous-même. Voilà, vous avez un espace blanc, vous pouvez très bien écrire vous-même dessus. Hop. Et ici. Ça conforme. Hein. Et ensuite, alors, hop. Donc, là, je vais me mettre comme ça parce que sinon, moi, je vais pas voir. Vous avez un grand qui va aller comme ça, suivi d'un petit... Hop là, comme ça. D'accord? Et ça, on le fait ici et ici. Je vais reprendre mon petit là. Hop. Voilà, un. Oups là, je l'ai fait bouger. Voilà. Et le petit. Décidément. Voilà. On recommence avec l'autre. Vous voyez, j'ai fait ce que je connaissais déjà, ce qui fait que bah, du coup, j'ai pu voir où cela allait, chose que j'aurais peut-être pas pu faire si je n'avais pas fait d'abord les autres. Hop là. Alors, moi, j'ai décidé de mettre des aimants. J'aurais très bien pu le fermer aussi pour être sûr que ce ne soit pas ouvert. Bon après, le truc c'est qu'on ne peut pas le garder pour l'année d'après. Hop là. Et voilà, nous avons fait notre boîte aux lettres pour le Père Noël. Franchement, j'adore. Elle est juste trop choupinou. Ouais, moi j'adore. Je sais pas vous, mais moi je l'aime vraiment, vraiment beaucoup.
si j'ai le courage par la suite, d'ici quelques jours, hein, je mettrai peut-être ici en français et du coup je reviendrai le recoller par-dessus. Voilà, c'est tout à fait possible. Et puis voilà, moi j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est notre deuxième créa de Noël. Du coup, comme ça, on ouvre ici. Voilà. Et comme ça, si on veut, on peut récupérer nos courriers du Père Noël. Donc voilà, voilà, voilà. Ouais, franchement, j'aime plutôt pas mal. Je trouve ça très sympathique. Non ? Et vous ? Donc j'espère que cette petite créa vous aura plu également. Pour celles qui n'ont pas Silhouette, eh bien, je suis désolée, mais il est tout à fait possible aussi de le refaire un peu vous-même. Hein. Vous avez vu un petit peu comment j'ai fait au niveau des dimensions. Hop là, je vais vous dire ça. Donc, le grand ici, il fait 20,3 cm, d'accord. Le devant, il fait 13,5 cm. Et la jouxture des deux, on va dire, 16,5. C'est ça. Ici, de là à là, il y a 16,5. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que cette seconde créa, encore une fois, je me répète, je sais, vous aura plu. C'est la façon à moi que j'ai de terminer cette vidéo. Et je vous souhaite à tous un très, très joyeux Noël, de très bons préparatifs. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle créa de Noël by Silhouette. Allez, bisous, bisous. Cold nips at you.